je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Bonjour et bon début de semaine et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique. Les questions importantes, un invité nous accompagne, on les met sur la table et nous tentons de les décortiquer. Je suis heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Je l'ai fait hier, je vais de nouveau en profiter pour vous souhaiter de joyeuses fêtes à des nativités, mais aussi des nouvelles ans pour 2022. Je prie que Dieu accomplisse le vœu le plus profond de vos cœurs. Bravo à vous et félicitations pour la confiance que vous nous faites. Mes vœux le meilleur également à toute l'équipe des CPL Télévision. Allez, on va parler politique avec le séjour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Kasaï. Le chef de l'État est encore au Kasaï oriental. Il fera tout le grand Kasaï. On parle de ça et de son discours polémique sur la question des Macha Moumenou. On reviendra sur ça. On va rentrer à Kinshasa pour parler de ce qui se passe à l'UDPS. On parlera peut-être aussi de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un invité sur ce plateau, un ami, un frère et un confrère, Pius Romain Roland Goy. Monsieur Pius, bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel. C'était ton anniversaire hier. Très bon anniversaire. On va chanter pour toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup. C'est pas facile d'avoir 16 ans, 17 ans, hein. Mais non, c'est bon, hein. Tu commences à grandir. J'ai dépassé le cap d'un demi-siècle. Ah, tu as déjà dépassé la cinquantaine? Ah, sérieux, c'est bien. Si. C'est bien. Et pour fêter l'anniversaire, tu étais hier à Kinshasa? Non, pas hier. Avant-hier? Le 25. À Kinshasa? Si. Ça s'est bien passé? Très bien passé. Tu t'en caches pas, toi tu es très proche de cette famille. Non, non, je veux m'en cacher. Pourquoi être hypocrite? Pourquoi être hypocrite? J'étais à Kinshasa le 25. Je suis allé compatir au malheur qui est advenu au sénateur à vie. Tu l'as vu? Est-ce qu'il était oui, là? Oui, je l'ai vu. Comment il va? On m'a dit qu'il est en train de boitiller un peu. Bon, un tout petit peu, mais ça va. Ça va. Effectivement, il a connu l'accident. Et ça pourrait être fatal. Un matin, on se réveille comme ça, on nous dit que le chef de l'État honoraire est décédé, ça serait catastrophique. Mais je vous dis que ça s'est très bien passé. C'était un petit cercle, nous étions avec sa famille, ses enfants et nous autres membres de... Vous, des journalistes et kabylistes? Oui, oui, ça je ne m'en cache pas. Ah, je te jure, c'est kabyliste. Mais comment? Payé par l'argent de l'Olivier. Je ne m'en cache pas. Moi, je suis nationaliste et patriote avec la ligne éditoriale kabyliste. Pourquoi je dois m'en cacher? Et tout le monde le sait, même Satan le sait. Terrible, hein? Oh. Aussi, c'est un gamin le battant ou le babou. Non, attends, Perrault. En France, vous avez le monde, vous avez les socialistes, vous avez les républicains, vous avez les ultranationalistes, vous avez... Tous ces mondes-là ont des médias. Mais pourquoi si nous, nous défendons les valeurs de Kabila, vous nous affichez? Pourquoi? Et ceux qui défendent les valeurs de Tshilombo, pourquoi vous ne les affichez pas? Il y en a aussi. Mais comment? Tu veux que je t'en cite les noms? Oui, quelques-uns. Belédou, Christian Bossembe, Joël Kadé, Pierre-Gérard Elenga, Emmanuel Tshibambe, Didier Kanyinda, qui encore? Ils sont nombreux, non? Dionite Kanind. Ils sont pro-pouvoir. Et c'est connu. Toi, ça te dérange pas? Ça va me déranger. Pourquoi? Parce qu'il y a Freddy Tshioi, qui est derrière à la présidence. Mais pourquoi si c'est nous qui allons à Kinshasa manger nos tomates, puisque nous, nous sommes des naturalistes, et ça gêne les gens? Pourquoi? Bonne chance, bonne chance, bonne chance à vous. Parce que bon, à part les tomates, il semble que tu es rentré avec un bon quartier de viande et de poisson. Comme d'habitude. Toi, tu n'as pas entendu Dauphin. Dauphin? Mboula Matadi. Il a fait quoi? Mon livre n'a pas fait la liste. Tu l'as pas entendu? Mon livre n'a pas fait quoi? N'a pas fait la liste. Ah bon? Ah oui, je vais t'envoyer la vidéo. Parce que lui aussi, il est souvent sur cette liste. Non, écoutez, c'est une femme généreuse. Hier, nous sommes allés déposer la nourriture dans les orphelinats. Avec elle?
Non, elle est aux côtés de son mari qui est un peu convalescent. Dans les orphelinats, nous sommes allés déposer de la nourriture. Bon. Au démenu, ils en ont eu. Elle n'a pas fait l'appel à $1 pour spolier les Congolais, non. Elle a interrogé la terre, elle a pris les produits de la terre. Les 10%, comme le commande la Bible, elle a offert aux démunis. Non, demander $1, c'est pas spolier la terre. Hein. Demander non, j'ai dit elle. Elle a exploité la terre. Si tu veux parler d'un dollar, c'est une manière d'exprimer la solidarité. Toi, tu peux même donner $100 parce que tu Dans ce pays où tout est au trou. On n'a pas demandé à tout le monde. On a dit à ceux qui sont capables de donner $1, ils peuvent donner. Ça sera une marque de solidarité pour eux. C'est aussi comme ça qu'on cultive l'esprit d'une nation, Pius Romero. Il ne faut pas tout condamner quand même. Mon cher, non, pas tout condamner. Je ne dis pas tout condamner. Vous allez prendre dans des poches des gens qui sont démunis. Vous allez prendre dans les poches des gens qui sont démunis. Mais peut-être parce que la personne qui demande $1 n'a pas volé, comme Olive et Kabila, par exemple. L'autre fois, ici, je t'avais dit, il faut faire attention, son collectif d'avocats est en place. Tout celui qui va encore déplacer les langages, c'est son problème. Hein? Je vous avais dit, oui. Parce qu'un voleur fuit les lieux du vol. Après 18 ans, ils s'en sont quand même sortis milliardaires. Après 18 ans, il vous a laissé un pays... normal. Allez, avec des institutions normales que vous avez désarticulées. Revenons sur avec les... 2 milliards de dollars dans les trésors publics. Nyabilungu l'a dit. Raphaël Nyabilungu l'a confirmé. Kabila a laissé plus de 2 milliards de dollars. Alors que lui n'avait trouvé que $500. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Revenons à l'actualité politique, plus Romain Roland. Le président de la République est en visite dans le Grand Kassai. On l'a beaucoup critiqué, hein. Toi, personnellement, il voyage tout le temps. Je continuerai encore. Il dépense l'argent du trésor public. Il n'a jamais été chez lui au Kassai, on l'a voté. Finalement, le président de la République est là. C'est une bonne occasion de vous demander de la boucler, non? Donc, 26 provinces, il n'y a qu'une seule province qui a voté le chef de l'État. Chez lui qu'on a voté. C'est ça ce que tu m'as dit. Non, il a été à Goma. Les autres provinces ne l'ont pas voté. C'est pourquoi il ne les a pas encore visitées. Il a visité d'abord la province qu'il a votée. Non, il a été à après 117 voyages, pour un voyage qui compte 2 millions de dollars, avec une délégation imposante. Le président de la Zambie était parti avec 3 personnes seulement. Mais lui, chaque fois, c'est avec une pléthore, avec des scandales dans les hôtels. Et maintenant, il va chez lui. Oui, il a dit, je viens chez mes frères de sang. Nous autres ne sommes pas ses frères de sang. Il doit assumer. Vous savez, le président Joseph Kasavubu-Boupé à son âme. Appelez les Congolais mes sœurs et frères. Le président Kasavubu-Boupé. Le premier ministre, Patrice Emery Lumumba, a appelé les Congolais mes compagnons d'élite et de liberté. Le maréchal Mobutu appelait les Zaïrois citoyennes et citoyens. Mouzé Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila ont appelé les Congolais mes chers compatriotes. Chilombo a qualifié les Congolais de combattaba, de Nyangalakata, de Bandoki. Il n'a jamais dit ça. Le il a dit ça. Chez moi, Katanga, il a dit Bandoki. Bandoki. À Londres, il a dit combattaba. À Beni, il a dit Nyangalaka. Il parlait d'une catégorie des gens, non? Un chef de l'État ne peut pas le dire. Il est le chef de tout le monde. Non, ne déplaçons pas les choses de leur contexte. Il ne peut pas le dire. Un rebelle. Il ne peut pas le dire. Ce sont les compatriotes qui sont égarés. Kabila a géré avec les rebelles. Roubero, c'est un rebelle. Jean-Pierre Bemba, c'est un rebelle. Mboussa Nyamoussi, c'est un rebelle. Roger Lumbala, c'est un rebelle. Ils sont nombreux. Thomas Louaka, c'est un rebelle. Il les a traités mes compatriotes égarés. Il n'a pas dit Bandoki. Non, un chef de l'État ne peut pas dire ça. C'est très grave. L'article 51
Et l'article 66, je pense que ça, tu es en train de sortir des choses doit être interrogé. Tu es en train de sortir des choses de leur contexte. Revenons. Est-ce que tu penses que c'est à point nommé, c'est opportun, après toutes les critiques que le président de la République se retrouve dans les grands cas? Donc, il fallait qu'on le critique pour qu'il aille chez lui. Il fallait qu'on le critique pour qu'il aille chez lui. L'Occident ne l'a pas élu. Ce sont les Congolais qui l'ont élu. D'abord, les Congos. Trump, quand il a été élu, il n'a pas commencé par aller outre-mer, hein, ou outre-Atlantique. Il a commencé avec les États-Unis. Répondre aux besoins des Américains. Ici, chez nous, il faille que l'argent sorte du trésor public. 117 voyages. 117. Tu as compté. Alex, mais comment? C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est l'Observatoire, l'ODEP, qui vient de le dire. 117 voyages à l'extérieur. Lorsque vous allez à l'extérieur, nous devons avoir de l'impact à l'intérieur. Lequel que nous avons eu? Aucun industriel, aucun investisseur. Même un hôtelier pour quitter là-bas, venir construire un hôtel ici, il n'y en a pas. Même pas un constructeur d'un marché. Par conséquent, il est allé signer les accords avec nos bourreaux. Les Rwanda, l'Ouganda et les Burundi. Je vais te parler de l'Ouganda. Est-ce que tu sais que l'aéroport d'Entebbe est entre les mains des Chinois? Ouais, l'Ouganda doit, pour une question de financement, des fonds, des choses comme ça, ouais. Il doit combien? 250 millions de dollars à la partie chinoise. Mais l'Ouganda va construire 280 km de route chez nous. 1 km, c'est 1 million. Fois 280, c'est 280 millions. Donc l'Ouganda n'a pas 250 millions de dollars donnés aux Chinois. Il a 280 millions pour construire la route chez nous. Est-ce que tu comprends ce paradoxe? Nos bourreaux d'hier qui ont tué Kisangani là où tu viens. Tu as été au cimetière, je t'ai vu. Mes frères, mes compatriotes ont fauché là-bas par la barbarie de Kagame et de Museveni. Mais ce sont ces gens-là que Chilombo est allé signer les accords pour les faire entrer chez nous. Vous savez la tâche qu'il met dans nos cœurs. Ce n'est pas que je suis originaire de la province orientale. J'ai de la famille là-bas, biologique. Là, à Kisangani, j'ai de la famille biologique. Et nombreux ont perdu des vies là-bas. Ma grande soeur Cécile Biléo a perdu la vie là-bas. Son mari Moulolo a perdu la vie là-bas. Ses enfants, tous sont ici. Ils ont fait la route Kisangani, Équateur, Kinshasa. Tous mes neveux et nièces sont ici. Nés à Kisangani. Ils ont fui ces affres-là. Mais c'est avec ces bourreaux-là qu'on a fait entrer chez nous. Et tu persistes et tu signes, le président a vendu la République. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, tu as reçu Nembalemba ici. Moi, j'ai dit que le président a vendu la République. Léon Nembalemba te l'a dit ici. Moi, je parle des faits vérifiables. L'Ouganda va construire la route chez nous, oui ou non? L'aéroport de l'Ouganda est entre les mains des Chinois, oui ou non? L'Ouganda a tué les Congolais sur notre sol, oui ou non? Le chef de l'État a appelé l'Ouganda et le Rwanda mes frères, oui ou non? Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Kagame vient ici. C'est nous qui devons avoir l'usine. Vous savez pourquoi Mobutu avait fermé l'usine de Hoboken? Tous les cuivres, y compris les minéraux subsidiaires, qui sortaient des cuivres. Tout était récupéré en Belgique. Nous, on n'avait que des miettes. Je vais mettre la concentration de Kamoto. C'est la guerre des 77 qu'on lui a flanqué, que les Marocains sont arrivés. Mais l'or de Bachila, dans les Kivu, comment Kagame peut venir prendre l'or, aller filtrer chez lui? Lui qui est notre bourreau. Et j'entends certains de ces communicateurs dire « Non, la France et l'Allemagne se sont fait la guerre. » Oui, la France et l'Allemagne se sont fait la guerre. Jamais Charles de Gaulle pouvait se mettre en face d'Hitler. La France et l'Allemagne ont fait la paix avec Helmut Kohl, avec Angela Merkel.
avec Hitler. Les Rwandais ne sont pas nos ennemis. Le régime rwandais, c'est la catastrophe. Détient le sang des Congolais. Eux, ils ont pris les crânes des 800 000 de leurs frères qui se sont entendus mutuellement se massacrer, que le Congo paye le prix. Mais chez nous, nous avons plus de 12 millions d'âmes. Où sont nos crânes? Le musée est ici, non? On pouvait ramasser même les crânes là, même les os. On vient, on conçoit aussi notre musée. Les génocides congolais, pas commis par les Rwandais et l'Ouganda. On n'en fait pas, mais le chef de l'État est allé s'incliner sur ces crânes-là. Notre chef de l'État est allé s'incliner sur les crânes des Rwandais. Alors les nôtres ici sont massacrés matin, midi, soir. Où sont nos crânes? Notre musée est ici. Allez, revenons sur l'actualité. Revenons sur l'actualité. L'actualité, c'est toujours le président de la République. Le chef a tenu un discours que beaucoup interprètent à leur manière, plus Romain Rolland. Je sais que vous comprenez un peu les Tulois. Comment avez-vous jugé l'adresse du président de la République à Mbujimayi? Un discours tribaliste et séparatiste. Pourquoi on a arrêté Daniel Ngoï Moulonde? Pourquoi on a malmené Félix Kabange Numbi Mukwamp? Pourquoi? Le discours de Félix était tribaliste. Le président est tribaliste. Mais il est tribaliste. Le président Tshisekedi est tribaliste. Je ne suis pas le seul à le dire. Mike Mukeba vous a démontré ici, noir sur blanc. Je t'ai dit qu'Asavubu a appelé les Congolais mes frères et mes soeurs. Lumumba a appelé les Congolais compagnons de lutte. N'exagérons quand même pas, n'exagérons pas. Non, on n'exagère pas. Le président de la République est tribaliste, je trouve que c'est un peu exagéré. Vous savez, Je ne veux pas qu'après qu'on dise qu'il y a eu outrage au président, tout ça, des choses. Je sais que tu aimes la prison, tu as envie de lui retourner, mais... Il n'y a pas outrage, tout le monde fait... Cet exercice. Non, mais dire quand même du président qu'il est tribaliste, non, c'est un discours tribal, séparatiste. Lorsqu'il dit que le Kasaï n'a pas été détruit par le Kasaïen, ce sont les haineux, les ennemis. Qui, en dehors des Kasaïens, qui n'ont pas détruit leur province, ce sont les haineux et les ennemis. Qui, d'autres communautés? Est-ce qu'un chef de l'État peut dire des choses comme ça? Ça peut être des Belges de la Miba, par exemple. Non, les Belges n'ont jamais été au Kasaï. Non, laisse cette histoire-là. Aujourd'hui, les Belges sont nos ennemis, nos haineux. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait les voyages en Belgique? Où il a dit la Belgique derrière, c'est sa seconde patrie. Non, il ne faut pas nous ramener à défendre l'indéfendable. Il dit, le Kasaï a été détruit, non pas par le Kasaïen, mais par les haineux et les ennemis. Donc, tous les ministres, les premiers ministres kassaïens, les hommes d'affaires, nés avant Joseph Kabila, qui n'ont pas voulu construire au Kassaï, c'est le FCC qui leur a dit de ne pas construire au Kassaï. Nous avons eu général Moulamba ici, né avant Joseph Kabila. Nous avons Étienne Tshisekedi, né avant Joseph Kabila. Pinda Kassenda, Moulumba Lukoji, Mabi Moulumba, Ngoï Kassange, Fonchi, Cardozo Mwamba, Denis Kambay, Kambay Bouacha, André Mbata, toute cette crème intellectuelle kassaïenne qui n'a pas construit le Kassaï, c'est Joseph Kabila qui leur a dit de ne pas construire chez vous. Et quand un chef de l'État dit le Kassaï n'a pas été détruit par le Kassaïen, et toi tu dis que ça ce n'est pas un discours haineux, ça ce n'est pas un discours séparatiste. Est-ce que si ce discours s'était né au Katanga aujourd'hui, le monde entier sortirait pour dire que les Katangais sont des tribalistes. Daniel Ngoï Moulonde a dit le Katanga c'est le sol de Joseph Kabila. Un peu du respect. 36 mois en prison. Félix Kabange Numbi relaie la même information malmenée dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, le chef de l'État dit mes frères de sang. Effectivement, ce sont ses frères de sang. Un chef de l'État, c'est le symbole de l'unité nationale et de la cohésion nationale. C'est ça le rôle du chef de l'État. Lumumba disait, je n'ai pas une tribu. Tu sais pourquoi Lumumba disait, je n'ai pas une tribu? Je n'appartiens pas à la République du Congo. Lumumba, c'est un patrimoine national et international.
de par son discours valeureux qu'il a fait transmettre. Mais aujourd'hui, vous avez... Joseph Kabila n'a jamais dit... Il a condamné ses frères du Katanga. Et tu en connais les discours. Quand il a réuni les notabilités katangaises, Charles Mwando Simba qui prenait la parole. Mais tout l'investissement qu'on a versé au Katanga, regardez la misère sur les longs de la route. Les tracteurs qui transportent les minéraux. Joseph Kabila n'a pas dit les autres sont venus détruire les Katanga. Il a chargé ses frères Katanga. Mais ici, on dédouane les Kassaïens. Ce sont les autres qui ont détruit les Kassaïens. Non, Perrault, non. Non, mais il y a aussi une autre expression du président qui est peut-être mal comprise. Quand le président parle de Machia Moumenou, ça vous a scandalisé. C'est tout autres. Dans l'ensemble. Il dit mes frères de sang, même si j'ai commetté les erreurs, comment ? Ne me rejetez pas, je suis le vôtre. Et il demande le second mandat, en pleine mandature. Le chef de l'État vient de lancer la campagne électorale. Nous aussi, nous allons entrer dans la campagne électorale, puisque le premier citoyen l'a lancé officiellement. Vous qui êtes... Non, je suis Congolais. Je dois avoir mon candidat. Le chef de l'État... Les citoyens Mbosso avaient commencé à Massine. Votez Félix Tshisekedi en pleine mandature. La loi électorale est violée. Donc, en disant Machia Moumenou, ça vous a scandalisé aussi? J'ai dit, hein, le chef de l'État a un discours rassembleur. Kabila n'a jamais dit, mes frères Katangé, mes chers compatriotes, le chef de l'État, c'est le symbole de l'unité de la cohésion nationale. Le chef de l'État n'a... Et puis, il dit plus grave. Donnez-moi le second mandat, après mon mandat, je viendrai habiter avec vous ici. Mais il a promis d'habiter à Beni. Ce sont les 17 voyages en Europe. Non, et d'outre-mer. Il était dans l'Est de la République pendant plus de 2 semaines quand même. Hein. Être à l'Est et habiter, c'est 2 choses différentes, Perrault. Tu as fait les études, non? J'habite Kinshasa, c'est ma résidence. Moi, je suis de Lubumbashi. Ma résidence est à Kinshasa. J'habite Kinshasa. J'y vais à Lubumbashi. Dernier voyage, j'étais avec toi à Lubumbashi. Ma mère est à Lubumbashi, mes frères sont à Lubumbashi, mes tantes sont à Lubumbashi, toute ma famille est à Lubumbashi. Mais j'étais avec toi, j'étais dans un hôtel. Je n'étais même pas... Mon petit frère, j'ai des petits frères qui ont des parcelles là-bas. Je n'ai pas fait même 4 heures dans ma famille. J'étais de passage. Mais à plus forte raison, le chef de l'État, qui est le symbole de l'unité nationale, tu dis je viendrai habiter. Donc il demande déjà l'électorat kassaïen. Mais quand les autres vont récupérer cette situation de manière électorale, vous allez traiter les autres de tribalistes. Je me rappelle une consoeur. Vous les Bangala, taisez-vous. Vous les Bakongo, taisez-vous. Vous les Baswahili, taisez-vous. C'est notre pouvoir, nous les Baluba. Tu la connais? Non. Je vais te donner la vidéo. Ça se trouve dans ma machine. Non. Je vais te donner la vidéo. Ok. Et un autre qui dit... J'en appelle aux journalistes kassaïens de soutenir leurs frères malgré ses erreurs. Est-ce que dans un pays où il y a 450 tribus ethnies, ce genre de propos peuvent sortir? Maintenant, nous qui dénonçons le tribalisme, tu vas voir que c'est nous qui sommes les premiers qu'on va traiter de tribalistes. Alors que nous, nous dénonçons ce que vous, vous faites. Non, mais plus, le président est kassaïen, non? Qu'est-ce que tu voulais que Félix fasse? Qu'il réunisse ses... Moi, je ne comprends pas ce débat. Je le vois sur la place publique, je me dis, mais attendez, même Jésus-Christ avait quand même ses origines, non? Félix est chez lui au Kassai, il est kassaïen, il n'a jamais demandé au bon Dieu de le créer kassaïen. Qui nie qu'il est kassaïen? Vous voulez quoi? Vous voulez réunir de ses origines? Mais tout le monde le sait. Mais il a accusé les autres. Il devait renier sa... Non, personne ne lui a dit de renier ses origines. Donc, il dit, je suis là. Il a accusé les autres communautés. Jésus était galiléen, vrai ou faux? Mais il n'a jamais dit que les Palestiniens ont fait ça. Il n'a jamais dit ça. Il a réuni tout le monde autour de lui, puisque c'était un leader. Mais personne ne nie les origines kassaïennes du chef de l'État. Mais il a dit, je viendrai habiter au milieu de vous. Donnez-moi le second mandat.
en pleine mandature, on n'a pas encore lancé les hostilités électorales. On ne les a pas encore lancées. Mais le chef de l'État est déjà en campagne électorale. Mais lorsque nous autres, nous allons récupérer la situation pour rentrer dans la campagne électorale, mandat. C'est lui qui est l'exemple. Je t'ai donné l'exemple. Ngoïmou Lunda a dit, le Katanga c'est la terre de Joseph. Minimum de respect, 36 mois en prison. 36 mois. Quand tu étais avec moi à Lubumbashi, je suis allé le voir à la Kassab. Ngoïmou Lunda, je suis allé le voir. Félix Kabange Numbi Mukwampa relaie la même information, malmenée ici. Maintenant, celui-ci dit, ce ne sont pas les Kassaïens qui ont détruit les Kassaïens. Ce sont les haineux et les ennemis. Donc, je te rappelle encore, est-ce que ce discours-là peut passer? Joseph est allé au Katanga, il a réuni les notabilités katangaises. Il n'était pas dans un meeting. Le responsable et les gestionnaires, il leur a dit, l'argent qu'on a versé au Katanga, il ne supporte pas cette misère. Le long de la route. Il a dit ça à ses frères katangais. Je te dis, c'est Charles Lemoine d'Ossimba qui avait la modération. Si tu n'as pas cette vidéo, je peux t'en fournir. Il n'a pas dit, parce que le Katanga était construit par les Baluba, était construit par les Rwandais, beaucoup de nationalités ont construit le Katanga. Il pouvait charger les Baluba et ça serait plus grave. Mais il a chargé ses frères. Il a chargé ses frères. On vous a envoyé l'argent pour mettre fin à la misère au Katanga. Regarde, le long de la route, les camions qui passent pleins de minéraux. Mais c'est la misère. Moi, j'ai fait Lubumbashi Kolozi. J'ai donné raison à Joseph Kabila. C'est la misère. Mais comment expliquer ce paradoxe de la misère? Où les richesses quittent, traversent et vont ailleurs. Mais tu arrives là-bas. Le Kassai, c'est la plus petite province aujourd'hui de toutes les 26 provinces de la RDC. C'est le Kassai oriental, la plus petite province. Donc, toute l'élite kassaïenne est là. C'est Joseph Kabila qui leur a dit de ne pas construire le Kassai. C'est le FCC qui leur a dit de ne pas construire le Kassai. Non, mais est-ce que le FCC est né avant... mais pourquoi dans les haineux, là, tu vois Joseph Kabila, tu vois les FCC? Félix n'a pas cité les noms. Non, il y a toujours la comparaison des grands leaders. Puisque eux, il a dit, ces deux mandats, c'est l'FCC qui l'a bloqué. L'FCC appartient à qui? Les deux ans. L'FCC appartient à qui? C'est l'FCC qui l'a bloqué. L'FCC appartient à qui? Non, dis-moi. Puisque nous sommes en train de faire l'analyse du contenu du discours. L'FCC appartient à qui? C'est l'FCC qui l'a bloqué pendant 2 ans. L'FCC appartient à qui? Et pourquoi tu refuses qu'on fasse cette comparaison? De toutes les façons, ce sont les deux chefs d'État vivants. L'un honoraire, l'autre en fonction. Et pourquoi on ne peut pas faire le parallélisme? Et pourquoi chaque fois on fait le bilan de Joseph? Non, pour vous, le bilan de Joseph, c'est catastrophique. Le bilan de Félix, c'est bon. Là, c'est permis. Mais quand nous faisons ce parallélisme-là, là, ce n'est pas permis. Je dis encore, les symboles de l'unité nationale ne peut pas dire ça. Il est en campagne électorale. Il doit assumer, nous aussi, nous entrons en campagne précoce. Mais il a dit qu'on les vote, non? La loi électorale dit quoi? Les hostilités électorales commencent quand? Interroge la loi électorale. Malheureusement, je ne suis pas venu avec. C'est 30 jours avant, je crois. Mais les hostilités commencent quand? La campagne commence quand? Il y a un délai du début de la campagne et la fin de la campagne. Il a commencé la campagne chez lui. Votez-moi pour un second mandat. Le premier n'est pas encore fini. C'est son droit. De toutes les façons, la Constitution, la Constitution le lui permet. Non. Quoi? Il n'est pas frappé par... Non. La Constitution dit le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable. Non, une fois. Je ne refuse pas. Je parle. Donc, il a le droit de compétir pour un deuxième mandat. Il a le droit de compétir. Est-ce que c'est le moment de l'annoncer? Non, quant au moment, là, peut-être que vous... Mais c'est ça. Lui, il est le garant. Il est le protecteur de nos lois. C'est lui qui protège la Constitution. Mais s'il va au-delà de la Constitution, la sanction, c'est laquelle?
un chef de l'État qui viole délibérément les sens. J'étais en train de regarder les documentaires sur la chaîne Histoire. C'était... le titre, c'était « La guerre des trônes » dans l'Europe. J'ai vu comment on a guillotiné le roi Charles d'Angleterre. Tu sais pourquoi on l'avait guillotiné ? Outrage au Parlement. Roi guillotiné, pas pendu. On l'a mis là-bas d'abord, on l'a fait prisonnier. On l'a récupéré, on l'a mis devant la guillotine. Il fait la prière, il met la tête, toup, on coupe la tête. Outrage au Parlement. C'est le symbole de la protection de nos lois. Il ne peut pas aller au-delà des lois. Tu arrives chez toi, c'est vrai. Tu dis, votez-moi pour un second mandat. Dis-moi qui a lancé les hostilités électorales. Dis-moi. Ou c'est moi qui suis dans la faute? Qui a lancé les hostilités électorales? On reviendra, on parlera de tout ça. On ne peut pas revenir. Les téléspectateurs. On ne peut pas revenir, on doit creuser cet abcès. Nous aussi, on entre dans la campagne électorale précoce. Vous les kabylistes, c'est normal. On va voir qui va arrêter qui. Mais pendant ce temps, plus Romain Roland, j'aurais pu plutôt commencer l'émission par là. Il y a 3-4 jours, la République a été endeuillée par cet attentat à Béni. On parle des 6 morts. On passe des actions, des ADF qui viennent, qui massacrent. Et là, à des attentats kamikazes. 7 mois après l'état des sièges, malgré la présence de l'armée ougandaise dans cette partie de la République, ça vous effraie? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Ça, c'est la preuve que les recettes que les autorités apportent pour lutter contre l'insécurité dans l'Est ne payent pas. Kabila, vous avez dit qu'il y avait les Chebabs à l'Est. Vous ne l'avez pas cru. Il vous a dit qu'il y avait les terroristes. Vous n'avez pas cru. Là, c'est après avoir piloté la montagne de Tianzou, même mal à l'aise, les M23 et CNDP, il a dit il y a les islamistes là-bas. Vous n'avez pas cru. Aujourd'hui, là, la modestie voudra ce que, lorsqu'on gère le pays, il faut avoir l'âme nationale, l'âme patriotique. On ne peut pas être dans l'opposition oppositionnelle sans position. Puisque vous n'aimez pas telle personne, il aimait son avis, il aimait son point de vue. Non, non. S'il décrète l'état de siège, nous allons marcher. C'est ça ce qu'on a fait à Kabila. Je vous avais dit l'autre fois ici. Mouzé, dans une réunion de la SADC, il dit, vous cherchez le patron des ADF. Il est là, Mousséveni. Mousséveni s'est mis debout, il est sorti. Mouzé continue. Vous cherchez le patron des FDLR. Il est là, Kagame. Kagame s'est mis debout. C'est la raison de la SADC de se réunir autour de Mouzé pour mettre fin à l'évasion de Tutsi au Congo. Mais regardez le paradoxe. Vous êtes allé prendre nos bourreaux, vous les avez fait entrer par la grande porte et y rester. Toi, tu étais dans l'opération Sokola. Kabila fait entrer Kagame. Viens, viens me montrer là. Au Mont Djaouet. Viens me montrer là où se trouvent les FDLR. Aucun. Sors de chez moi. Pour que c'était le prétexte de tout le monde. Non, les Rwandais attaquent la RDC puisque la RDC héberge les FDLR, les rebelles. Viens me montrer où se trouvent les rebelles. Il entre, il se trouve où? Ils se sont limités à Goma. Goma, c'est une ville. Sortez de chez moi. Ils sortent, Kabila pilote Tianzou. Récupère les armes qui étaient là à Tianzou avec Makenga pour balkaniser la République démocratique du Congo. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Le M23, les CNDP, où se trouvent Gilles Moutebousi et Laurent Kounda. Ils sont au Rwanda. S'ils étaient Congolais, pourquoi les Rwandais ne les a pas extradés ici? C'est Kabila qui les a nommés, généraux quand même. Non, ce n'est pas Kabila qui les a. Non, ils sont bénéficiaires des ordonnances de promotion militaire. Ok. Il y a eu Kabila et les Debussy, les Laurent Kounda Batoré. J'en reviens. Puisque cette chanson revient. Cette chanson revient tout le temps. D'ailleurs, j'écoutais mon ami Barnabé il n'y a pas longtemps. Kabila hérite d'un pays morcelé. Jean-Pierre Bemba
portés par l'Ouganda, les RCD portés par les Rwanda. Dans les branches du RCD, il y a les RCD KM, il y a les RCD national de Roger Lombal. Et tout ce monde-là vient faire la guerre à la République démocratique du Congo. Qu'il soit reconnu comme Congolais. Au nom de la paix, taisons les armes. La communauté internationale, vous avez été en Afrique du Sud, vous avez été à Lusaka, vous avez été à Gaborone. Tout c'est pour parler. C'était pour mettre fin à la guerre. Kabila a mis fin à la guerre par un stylo. Ah, ça c'est l'expression de Barnabé Minigal. Non, c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas les accords. Il a dit, il a hypothéqué son pouvoir. Qui oublie que Kabila a partagé la présidence dans une formule monstre qui ne se trouve jamais au monde. 1 plus 4. Jean-Pierre Bemba, Azarias Rubero, Arthur Zaïdi Ngoma et Yerodi Abdoulaye Ndombasi. Tous plus âgés que lui. Tous plus âgés que lui. C'est au nom de cette paix. Il dit, ok, pourquoi devons-nous continuer la paix? On a fait les brassages, les mixages de l'armée avec la complicité de la communauté internationale. Au lieu que tu tues tes frères, sois général, alors tais-toi. Où est le mal? Puisqu'il s'est identifié comme le nôtre. Comme si, même s'il savait que c'était les Rwandais, que c'était une manière de filtrer notre armée. Mais écoutez, qui nous a fait la guerre d'agression? Le 2 août 98, la guerre est venue d'où? Du Rwanda, non? Tout le monde sait que le RCD, c'est une branche rwandaise. Qui oublie ça? Qui a fait... Mais peut-être, il faut... Qui a fait le James Kabarebe, chef d'état-major des FARC? Écoutez, tu connais Che Guevara. Il est qui? Che Guevara, c'est un Argentin? Non. Va interroger l'histoire. Il n'a jamais été Argentin. Che Guevara n'a jamais été cubain. Ah, je pensais que tu as dit. C'est un Argentin. Voilà. Ok, je m'excuse. Allez. Ok, c'est un Argentin. Présente des excuses. Oh, je présente les excuses. C'est un Argentin, mais qui a combattu aux côtés de Fidel Castro. Il était Cuba. Qui? Il était qui? À Cuba. Il était qui? Il est Argentin, monsieur. Il était qui? Au Cuba, il était qui? Au Cuba, il était qui? Monsieur. Non, au Cuba. Ngamutu et ça, non. Oui, au Cuba, il était qui? Numéro 2. Après Fidel Castro, c'était Che Guevara. Vrai ou faux? Ernesto, de son vrai nom. Vrai ou faux? Ah. Au départ, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi faisaient partie d'une même colonie. Vrai ou faux? Nous avions une seule monnaie à l'époque. Nous avions une seule monnaie. Mais après les indépendances, il y a eu morcellement. Le Rwanda, qui était un protectorat allemand, a été cédé aux Belges, les Burundi, et nous étions une seule colonie. Mais vous venez à la faveur d'une révolution. Je te donne les cas. Nous sommes allés au Tchad. L'armée, les forces armées zaïroises sont allés au Tchad chasser Goukou Niouédei pour mettre Hussein Abré. Combien de généraux congolais sont restés au Tchad? Le Tchad n'est pas notre voisin. Le Tchad est au-dessus de Centrafrique, mais eux sont nos voisins directs. Ils se sont dit congolais. Ça, c'est pour justifier le fait que les Kabila ont quand même donné notre armée qu'ils ont vendue au Rwanda. Un dernier thème pour terminer cette émission. Pourquoi tu ne me laisses pas balayer cette incongruité qui se trouve dans la tête des haineux? Les Kabila ont sauvé ce pays. Ça, il faut reconnaître. Les Kabila ont sauvé ce pays. Si vous ne reconnaissez pas ça, un jour vous allez demander pardon. Si pas la tombe de Mousset, à la tombe de Joseph Kabila, dans sa vieillesse, vous allez demander pardon. Ils ont sauvé ce pays. Les plans de... Herman Cohen ne cesse de le dire. Herman Cohen ne cesse de le dire. Allez, plus Romain Roland. Si le Kabila n'aimait pas ce pays, en venant, Kabila a trouvé le pays morcelé en trois, comme je vous ai dit. Il pouvait dire, bon, je me contente de ma partie. Il a dit, j'hypothèque
une partie de mon pouvoir pourvu que le Congo soit un. Il a fait. Plus Romain Rolango, on va prendre 45 minutes à peu près, on va prendre le dernier thème de cette émission, ce sont les déclarations de Augustin Kabouya. Vous l'avez suivi dans une matinée politique organisée ici à Kinshasa. Il dit beaucoup de choses parmi les éléments. Il dit que Kabila doit sa survie aujourd'hui à Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que si le président décidait aujourd'hui, Kabila doit donc sa survie à Tshisekedi. Et il dit que la place de Kabila, c'est à la Cour pénale internationale ou à la prison de Makala. Tu réagis comment? Kabila a quand même beaucoup de cadavres dans le placard, hein, puis moi, je n'ai pas une mémoire courte. Augustin Kabouya a dit Kabila est sérieux. C'est ça ce que je retiens d'Augustin Kabouya. Kabila est sérieux. Je retiens de Jean-Marc Abound, c'est lui qui va parler à mal du FCC Ndoki. C'est ça ce que je retiens. Tout ce qu'ils disent là, c'est la haine. Si Kabouya là se met en face de Joseph Kabila comme ça, il peut dire ce qu'il dit là. Quels sont les cadavres que Kabila traîne dans son placard? Les Rossi Mukendi, les Thérèse Kapangala, les Armand Tungulu. Ne sois pas désobligeant à leur mémoire. Je sais que toi, quand tu parlais d'eux, tu es très désobligeant. Tu as fini. Ouais, ouais. Qui a tué Olivier Mpongo? Qui a tiré sur Claudia Wangata? Blaise Luzingu, d'Antenne A. Qui a tiré sur... Là, au moins, il y a des procès. Hein. À l'époque de Kabila, il n'y en avait pas. Et Tchébé, là, c'est quoi? Karine est en prison, pourquoi? Un procès qui a été ouvert après aussi. Mais le procès n'a jamais été ouvert avant la mort. Non, c'est ce que j'ai dit. Après le départ de Kabila, bien, je voulais dire. Hein? Après le départ de Kabila. Est-ce que c'est Kabila qui avait la justice? Toi, tu fais les droits. Tu sais que madame qui est en face de nous a tué. Mais quel est le rôle du ministère public? C'est de traquer les criminels, de chercher les infractions. Il y a eu infraction. Et on a découvert que c'est Karine qui a tiré sur Rossi. Le nom de Kabila vient faire quoi là-bas? Dis-moi, le nom de Kabila vient faire quoi là? Donc pour toi, quand Kabouya dit que Kabila sa place est à la CPI et à Makala, il se trompe. Qui a tué Olivier Mpongo? Si tu me donnes le nom de la personne qui a tué Olivier Mpongo, on continue. Qui a tué Olivier Mpongo? Malheureusement pour toi, c'est moi qui pose des questions ici. Qui a tué Olivier? Téléspectateur, qui a tué Olivier Mpongo? Qui a tiré sur Claudia Wangata? Imagine-toi ces meurtres-là. Ça s'est passé à l'époque de Kabila. Akaj, Azado, La Voix des Sans Voix. Je ne sais pas combien de conférences de presse nous allions gober ici. Vous les entendez encore? Vous les entendez? Quand je te dis qu'il y avait des ONG sous-traitées par les partis politiques. Vous les entendez? Blaise, notre confrère de télé, de Antenne A. Il a été tiré par un policier. Le policier qui a tiré là, c'est Chilombo qui l'a envoyé. Les policiers qui ont pendu Olivier, c'est Chilombo qui les a envoyés. La garde qui a tiré sur Claudia, c'est Chilombo qui les a envoyés. Parfois, il faut relativiser certaines choses. Kabila n'a jamais pris son téléphone. Il dit, Karine, tu es où? Tu vois Saint-Théophile là-bas, à Lemba. Rossi est là, va tirer sur lui. Je ne sais pas si Kabila a fait ça. Mouilamboué, comme il m'a là. Tu es où? Tu vois Chebeala, mets-le dans le coffre, tue-le. Vous avez entendu Kabila dire ça. Il n'y a que vous, les haineux, qui ont pris cette marchandise politique pour se faire élire députés nationaux, députés provinciaux. C'est fini, Kabila n'est plus une marchandise politique. N'est pas un des fonds de commerce électoral. C'est fini. Il n'ira pas à Makala non plus à la Cour pénale internationale. L'autre fois, j'étais dit ici, la mort de Lumumba a entraîné quoi? Il n'était plus Premier ministre. La mort de Lumumba a entraîné quoi? Soumialo, Beigné, Mouzé, Gizenga, Moulele, Yerodia, Mbouma Nathanaël, cette rébellion. Faites-le à Kabila. Il a les partisans. Non? Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Kabila vous a tout laissé. Vous l'avez volé même sa majorité parlementaire. Il a Kingakati, les 25, j'étais avec lui. Il vous freine en quoi? Pour voyager, Kabila ne bloque pas les avions. Mais pour nourrir les Congolais, c'est Kabila qui nous bloque.
c'est le FCC qui nous bloque. Pourquoi le FCC ne bloque pas l'avion pour aller en Europe? Ne peut bloquer pour donner le courant et l'électricité aux Congolais. On va terminer. Il a aussi dit que les bilans de Tshisekedi sera partagé par Katumbi, par tous les autres. Ils sont quand même dans ce gouvernement-là. Tu penses pas que sur ce point-là, il a raison? Et vœu d'échec. L'aveu d'échec. Comment en plein mandat tu justifies déjà que le bilan sera partagé? Si c'était positif, il n'allait même pas parler. J'ai dit à Katumbi, quitte l'Union sacrée. J'ai dit à Vital Kamerhe, quitte l'Union sacrée. L'autre fois, j'étais dit ici, 18 ans durant, les 5 premiers ministres de Joseph Kabila, Gizeng, Mouzito, Matata, Sami Badibang, Bruno Tshibala, aucun n'a été de son parti excepté Matata, qui a fait les grandes choses, les grandes réalisations. Les premiers vice-ministres, ils étaient des autres partis politiques. Vous avez lu des mots, Zanga Mobutu était là, il a géré avec Kabila. Olivier Kamitatu était le président de l'Assemblée nationale. Olivier Kamitatu, il était le président de l'Assemblée nationale. Thomas Louaka du MLC était président de l'Assemblée nationale. Tu as déjà entendu Kabila dire, mais 18 ans, je le partage avec tel, 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 tel. Il a assumé. C'est ça être un chef, un leader. Il assume. Mais ici, en plein mandat, coalition FCC cache. Kabila est sérieux. Il a vu que c'est à l'UTPS où il y a des gens sérieux. Il a donné le pouvoir. Augustin Kabouy. C'est pas moi. Relayé par Jean-Marc Kabound. C'est lui qui va entraver la coalition FCC Cash Ndoki. Mais après, quand rien n'allait pas, par l'incompétence de leur ministre, pas les ministres du FCC, non, c'est le FCC qui bloque. Allez, hold up, Janine Mabunda. Hold up, Tambo Mwamba. Hold up, Ilunga Ilunkamba. Ils sont partis. Depuis qu'ils sont partis, qu'est-ce qui bloque encore? C'est le FCC qui bloque encore. Kabila s'est retiré pour ne pas être indexé. Que, oh non, si nous avons échoué, c'était les ministres du FCC. C'est pourquoi j'ai dit tous les transfuges du FCC, du PPRD, qui sont allés dans ces gouvernements. Vous allez payer les prix, vous allez faire porter les chapeaux au FCC pour rien, alors que le FCC, le PPRD ne vous ont pas envoyé. Vous êtes partis par l'achat de votre conscience. L'UDPS doit assumer. Je t'avais dit, le PPRD est un parti phare. Le PPRD avait eu la majorité relative au Parlement. Mais pour constituer l'équipe gouvernementale, il fallait des alliances avec d'autres partis politiques. Mais le PPRD a assumé. Quand on insulte le bilan de Joseph Kabila, bien que positivement positif, mais c'est le PPRD qui est indexé. Mais pourquoi l'UDPS doit fuir en plein mandat? Moïse Katumbi, quitter l'Union sacrée. Vital Kamerhe, quitter l'Union sacrée. Les deux ans qui restent là, laissez-les qu'ils construisent l'Allemagne du Kassai. Faute de quoi? Kabuya vous a dit vous allez partager le bilan. C'est votre problème. Ici, le vote est sociologique. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez, c'est connu de tout le monde. On va terminer. On va terminer l'émission puis se remettre au langage. Comment justifiez-vous ces bruits qu'on attend des départs des caciques de Kabila? On parle de Lumanu, on parle de Boshab. Kabila dit jusqu'au dernier traître. Il avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes pour changer le Congo. Jusqu'au dernier traître. Que ceux qui veulent se jeter dans l'eau qui partent. Jusqu'au dernier traître. Il n'y a que le kabiliste au vrai sens du mot. Jusqu'à la moelle épinière qui vont rester. Pas ceux qui sont venus se greffer au pouvoir. Le vrai kabiliste. La politique. Donc, la politique. Impossible le départ de Lumanu, je ne sais pas moi. Kabila a dit jusqu'au dernier traître. C'est ça. Un parti politique, ce n'est pas la masse. C'est la crème intellectuelle qui doit réfléchir un projet de société à vendre à la population. Même à deux, même à trois, vous pouvez vendre. Mais Galilée était combien? Dis-moi, Galilée, les savants Galilée. Il avait un parti politique. Mais il a vendu sa thèse que nous consommons. À lui seul. Allez. Fred, le psychologue, il a été seul. Fred Sigmund,
Il a été seul. Il a vendu la terreau que nous sommes en train de consommer. Le parti politique même a dit, vous pouvez concevoir un projet. Vous pouvez le vendre à la population. Et la population peut adhérer. Ce n'est pas la masse. C'est qui tue. D'abord, tu sais que moi, je n'ai jamais été favorable au multipartisme. Moi, je n'ai jamais été favorable. 719 partis politiques, 719 problèmes au Congo. Tout leader qui n'a même pas un siège comme toi ici, mais lorsque vous lui offrez un micro, il crée le scandale. Sa femme, c'est le secrétaire général. Sa cousine, c'est le protocole. Une fois il est nommé à cause des bruits, c'est fini. Mais regardez sur renseignement là-bas. Il y a combien de partis politiques? Regarde sur renseignement, il y a combien de partis politiques? Allez, on va finir. Tu en crées toi aussi? Qui? Yo. Moi, je ne peux pas créer un parti politique. Oh, tu es un journaliste, hein? Je suis journaliste et nationaliste patriote. Attaché non mot. Pourquoi? Quand tu m'invites. Ni ton propre média. Non, quand tu m'invites comme ça ne te fait pas du bien. Tu n'es pas devenu patron de presse? Ça ne te séduit pas? Bon, patron de presse, je vais voir. C'est un projet, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, laissez-moi d'abord critiquer le gouvernement. Allez, cher ami, merci d'être venu nous voir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Je rappelle ce matin que notre invité, c'était M. Pius Romero Langoy, qui est donc journaliste kabyliste. Il assume. J'assume. Ouais. Très proche de Marie-Olive Lembe Kabila qui paye d'ailleurs à la fin des chats. En France, il y a les gaullistes. Oh, papa, tu sais quand on a clôturé l'émission. Quand on dit Camonie. En France, il y a les gaullistes. Oh. Émission Sili, déjà. Mais quand, pourquoi tu m'indexes? Allez, on va finir. En France, il y a les gaullistes. Il y a les Sarkozy. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre partenaire de la boutique La Londoloise. Vous aimez cette veste, vous aimez la chemise et tout ça. Appelez donc à la fin de l'émission La Londoloise et passez vos commandes. Ce sera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. Merci beaucoup. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À la prochaine. La boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.